En ce début de l'année 2023, l'heure est au bilan pour chacun dans son domaine d'intervention. Ce qui s'est passé en 2022 est rendu public en termes de statistiques. Dans ce reportage, nous avons projeté notre caméra ce mardi 3 janvier 2023 à l'état civil de Matoto pour chercher à savoir le nombre de naissances, de décès, de mariages et autres actes de citoyenneté enregistrés courant 2022. Selon Kemoko Dubate, les déclarations de décès enregistrent le plus faible statistique en 2022 par rapport aux naissances et aux mariages. Cette année, en matière de bilan, en matière de statistiques, on se retrouve avec 5 400 enregistrés à l'état civil de Matoto. Évidemment, il y a l'interopérabilité. Parce que nous avons créé à la création d'une structure sanitaire entre l'état civil et cette structure pour pouvoir récupérer rapidement les déclarations d'air à l'hôpital, dans les centres de santé, afin de remonter à l'état civil. Parce que souvent les gens n'étaient pas du tout sensibilisés et informés, on perdait les extraits à travers les déclarations, ils confondaient l'extrait et la déclaration. Mais aujourd'hui, il y a une bonne méthode pour les informer, pour les signaler à temps, pour dire que la déclaration est différente que l'extrait de naissance. Cela nous a permis d'avoir une grande statistique avec les méthodes de sensibilisation dans les médias et les réseaux sociaux. En matière de mariage, on a pu enregistrer 3 165 mariages enregistrés au compte de l'année 2022. En matière de décès, nous avons enregistré 155. Avant, on ne déclarait même pas les décès. Mais avec la campagne de sensibilisation, parce qu'on dit, tu commences, les gens pensent que j'ai passé lors d'une interview à la télévision, j'ai sensibilisé le 8 mars pour dire que les femmes même peuvent déclarer les décès de leur mari. Il y avait un mythe autour de la déclaration du décès. Donc, les gens commencent à comprendre qu'aussi on doit déclarer les décès à l'état civil pour pouvoir aider. En cas de décès de votre mari, et s'il a un compte à la banque, ou votre femme elle a un compte à la banque, tu ne peux pas débloquer ce compte sans que vous ne déclarez pas le décès. Donc il y a une importance autour de cet acte, les gens commencent à venir déclarer. Dans le processus de sécurisation des extraits d'actes de naissance, un nombre important est enregistré dans le cahier de l'état civil de Matoto au compte de l'année 2022. Kemoko Dubate parle de plus de 26 000 dossiers inscrits jusqu'à date. Les extraits numérisés, vous savez, nous travaillons avec une société qui s'appelle Mitiglory, qui est en train de sécuriser les extraits pour pouvoir avoir sa carte d'identité. Il faut passer à l'état civil. Certes, nous avons des problèmes, des difficultés. Mais quand vous prenez la statistique avec le courage que nous avons mené, malgré les tracasseries, malgré tout, nous sommes là de 8h à 21h. 8h à 21h par rapport à quoi? Pour enrouler les gens, pour satisfaire cette collectivité. C'est vrai que nous sommes débordés. Il y a des gens qui quittent Akwaya, à Devereka. Il y a des gens qui quittent dans les autres communes même parce qu'il y a la limitation. Chez nous, on dit pour servir à sa collectivité, il n'y a pas de limite. Mettez-vous à leur service. C'est ce qui se manifeste. Ce que je dis, vous pouvez vérifier. Ce n'est pas pour me flatter, mais il faut vérifier. C'est une réalité, c'est une vérité en évidence qui se manifeste. Quand vous allez me voir, vous allez voir les gens, mes agents sont là à partir de 8h jusqu'à 18h. Cette année, on a fait le record. On a pu enregistrer 26 254 de nos jours pour l'année 2022, au cours de l'année 2022. Au courant de l'année 2022, on a pu enregistrer 26 000. Donc, c'est extrêmement sérieux. On s'est battu pour qu'on puisse satisfaire les gens. Pour l'obtention des extraits d'actes de naissance, des déclarations de décès, les actes de mariage et autres papiers, un délai légal est donné pour chaque catégorie au regard de la loi. Pour Kemoko Dubate, plus de 21 000 d'actes de naissance transcrits ont été enregistrés en 2022 par l'état civil de Matoto, ce qui, selon lui, leur a permis de combattre les faux actes dans l'obtention des extraits de naissance. Vous savez, la loi est claire. Il devrait avoir 6 mois avant. Avec amendement, on se retrouve avec 2 mois pour naissance,
La date est indiquée pour le mariage, 10 jours francs. La date est indiquée pour le décès. Mais quand nous prenons naissance, si vous dépassez les 6 mois, ou l'enfant dépasse les 2 mois, il faut faire recours au tribunal pour faire un jugement supplétif. Ce jugement supplétif a le même effet juridique que le volet. Cet effet juridique, certes, il n'y a pas d'affiliation complète des parents, mais il y a parenthèse qu'on met l'extrême naissance. Si vous partez au tribunal, vous prenez, vous envoyez à l'état civil, vous faites la transcription afin d'avoir une extrême naissance. Cette transcription, ça s'inscrit dans le cadre de l'extrême naissance. Nous avons enregistré 21 973 cette année. C'est le record. 21 973, c'est pour dire qu'on a combattu les faux actes. Les faux actes qu'on faisait, les limitations de saisie qu'on faisait dans la cour, avec la réforme et la modernisation de l'état civil, le combat que j'avais mené depuis 2018, bien sûr avec l'appui de l'autorité communale, le clan de M. le maire, nous avons vu qu'il y a une réussite aujourd'hui. Matoto, on parle peu de faux actes. Parce que l'officier signait avant, mais maintenant je ne signe plus tant que tu n'arrives pas au tribunal. Avant, tu pouvais venir sur un bout de papier, on prend dactylo, on tape l'officier signe, on vous donne. Par ailleurs, Kemoko Djoubaté, officier de l'état civil délégué de Matoto, invite les citoyens à venir déclarer les naissances, les mariages et les décès au niveau des services compétents.